Angeles, c'est une chanson de Morand. Je pense que c'est une chanson qui peut être vue comme une chanson d'amour, mais aussi comme une chanson d'amitié, parce que c'est plus le fait de chercher un ami, de chercher le réconfort peut-être chez quelqu'un d'autre, donc pas nécessairement un amoureux. Puis on l'a interprété comme ça aussi, d'aller pas chercher à surinterpréter, mais profiter de cette douceur-là, puis de cette proximité-là aussi. Les gens vont écouter la chanson, puis vont avoir l'impression d'être juste à côté de nous, je pense. Je ne peux plus compter sur moi. Tu es le reste, tu réussis. Moi, je ne suis que l'alinéa. Mais je défends beaucoup la vérité dans l'interprétation, puis je pense que c'est plus important d'être en accord avec le texte que d'essayer de montrer quelque chose. De toute façon, c'est pas une voix vraiment à gueuler, toi. C'est vraiment une voix qui se passe comme ça, elle passe, puis elle vient nous chercher comme ça. Ouais, puis t'as la capacité d'ouvrir le coffre, de nous surprendre avec une espèce de puissance donc on sait pas d'où ça vient, puis de retomber tout de suite dans l'intimité. Enfin. Moi, honnêtement, je suis bien fier. Peux-tu sauver ma vie? Est-ce que je peux dormir chez toi? Si tu es la Californie, je ne sais plus dans quel état. Je traverserai le pont en arrivant à lui, et si le pont s'écroule, j'irai nager dans les débris. J'ai déjà touché le fond d'un millier de Paris. Est-il possible que je coule encore? Peux-tu sauver ma vie? Est-ce que je peux dormir chez toi? Si tu es la Californie, je ne sais plus dans